L'amour, le grand, le beau, celui qui ne semble se produire que dans les films. Et pourtant, il y en a des histoires d'amour, de vraies, simples, réelles, désarmantes de sincérité, qui ne peuvent que nous donner envie d'y croire. Celle de cet homme et cette femme, pour qui le temps semble s'être arrêté. Le début d'une histoire aussi lumineuse que celle des étoiles. Alors que cet homme raccommodait ses chaussures, il remarqua que son épouse l'observait. Il lui demanda « Que se passe-t-il » « Si le poète t'avait vu, lui dit-elle, il aurait su que son poème était pour toi. » « Et qu'a dit le poète ?» Il a dit que si on admirait la majesté de la lune, elle scintillerait et illuminerait le monde pour être vue par tous. L'homme se leva alors, se dirigea vers son épouse, l'embrassa entre les yeux et dit « Wallahi ya Aïcha, c'est ce que tu es pour moi, et plus encore. » Il ne pouvait s'agir en effet que de l'histoire d'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha nous raconte « Lorsque je buvais quelque chose, puis que je donnais à boire au prophète, il buvait en posant ses lèvres là où j'avais mis les miennes, et il en faisait de même lorsqu'il mangeait après elle, prolongeant ainsi leur connexion jusqu'à ces détails. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à exprimer son amour à son épouse Aïcha. Elle lui demanda « Comment est son amour pour elle ?» Ce à quoi il répondit « Comme un nœud fermement attaché. » Parfois lui demandait « Comment est le nœud ?» Et il la rassura alors, aussi solide qu'au premier jour. « Mon cœur fond, loin des coups de foudre et des feux de paille, il s'agit ici d'un amour qui ne s'amenuise pas avec le temps, mais au contraire, qui grandit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas non plus peur d'affirmer publiquement son amour. Lorsque l'un de ses compagnons lui demanda « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il répondit « Aïcha ». Et parmi les hommes, il répondit « Son père, subhanallah ». Même en faisant allusion à Abu Bakr, son plus proche compagnon, il l'a fait en mentionnant son lien de parenté avec sa bien-aimée Aïcha radiallahu anha. Et cela n'effaçait en rien son aspect charmant et drôle. Aïcha nous fait part de l'humour du prophète à travers cette anecdote justement. « Ya Aïcha, apporte-moi la petite natte de prière de la mosquée », lui demanda le prophète. « Je suis indisposée en raison de mes menstrues. » Il lui répondit « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains. » Leur amour n'était pas seulement le fruit de leurs sentiments, mais bel et bien un don béni, une bénédiction d'Al-Wadud subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine cette vidéo, mais non pas leur histoire, car leur histoire est plus qu'une simple romance. C'est un poème vivant, un témoignage d'espoir et surtout la preuve que dans ce vaste univers, s'aimer pour sa majesté demeure la plus belle des aventures.